Ah, 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 ah. Mm. Qui n'a pas désiré un jour être connu, devenir une star Quel que soit le niveau que nous voulons atteindre, nous avons tous et toutes, à un moment de notre vie, rêvé de devenir célèbres. Et c'est bien le propre de l'être humain, d'aimer et de se sentir aimé. Mais dans les faits, si l'on parle d'astronomie, lorsqu'une étoile naît, à quoi sert-elle Le Soleil, par exemple, est une étoile et sans son interaction, la Terre serait sans chaleur, sans lumière et sans vie. Par ailleurs, en des temps reculés, les étoiles ont guidé les voyageurs à travers l'immensité des déserts et des océans, offrant généreusement une carte céleste afin de se repérer dans la nuit. Ainsi, caravaniers et marins allaient et venaient dans un bal incessant mais nécessaire à la bonne conduite de l'activité économique. Or, cette bonne vieille terre a porté des hommes et des femmes qui ont partagé une chaleur, une lumière et une vie spirituelle guidant ainsi à travers les ténèbres de l'ignorance bon nombre d'êtres humains par la volonté de Dieu. Ils sont donc devenus une nécessité. Ils sont devenus incontournables. Ces hommes furent de véritables étoiles montantes dont l'humanité se souviendra jusqu'à la fin des temps. En effet, ils ont accepté d'intérioriser les composantes du Coran et des traditions prophétiques sous la direction et l'enseignement d'un homme exceptionnel le prophète Mohammed paix sur lui ils ont ainsi obtenu sur terre le bonheur et la tranquillité du cœur avant d'atteindre l'extase éternelle résultat du contentement divin mais qui sont-ils exactement ils sont toutes les personnes qui en étant musulmanes ont vu le prophète Mohammed de son vivant et qui sont mortes avec la foi après la mort du prophète survenu en l'an 11 de l'égir, aucun homme ne peut donc plus devenir compagnon. La période où des musulmans peuvent atteindre le statut de compagnon prend donc fin à la mort du prophète. N'attendons pas plus, donc, et découvrons ensemble leur héritage temporel et spirituel.